Good morning, Aleiden, les tutres aujourd'hui, le Nishmat, Moriv, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, ici, Ben Ahouda, Sarah, Tranan, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Richard, Batrim, Nechemia, ainsi que le Rufat, Abraham, Ori, Ben Reout, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maserhet, Zvachim, Perekhet, Mishnah, Yud, Bet. Dernière Mishnah du Perek. Chatat, Shekibel, Dama, Bishne, Kusot, Yatsa, Echad, Mehen, Lachutz, Apnimi, Kacher, Nichnas, Echad, Mehem, Lifnim, Rabbi Yossi, Aglili, Machshir, Bachitzon, והחכמים פוסלים. אמר רבי יוסי הגלילי, מה אם במקום שהמחשבה פוסלת בחוץ, לא עשה את המשוער כיוצא? מקום שאין המחשבה פוסלת בפנים, אין עוד דין שלא נעשה את המשוער כנכנס? נכנס לכפר אף על פי שלא כיפר פסול, דיר רבי אליעזר. רבי שמעון אומר, עד שיכפר. רבי יהודה אומר, אם יכניס שוגג כשר, כל הדמים הפסולים שניתנו על גבי המזבח לא ירצה עציץ, אלא על התמה, שעציץ מרצה על התמה ואינו מרצה על היוצא. Trois sujets dans notre Mishnah, deux qui vont concerner le pasuk qu'on a rapporté hier à propos du sang de la khatat qui entre dans le kodesh, dans le Echal, et un dernier sujet en rapport avec le tzitz et la touma, on expliquera ensuite. Pour le moment, on va se concentrer sur la première partie. Avec, on rapporte de nouveau le pasouk qu'on a appris hier dans le cours précédent, avec, en mettant cette fois-ci, en incitant sur deux expressions du pasouk, qui vont être en fait le sujet clé des deux premiers thèmes, en fait, des deux premiers sujets de la Mishnah. On va voir deux marloquettes sur le sujet. Le pasouk nous disait comme ça, on est dans Vaikra, Perek Vav, Mishnah, pasouk Rav Gimel. וכול חטאת אשר יובא מדמה אלו אל מועד יחפר בקודש לא תאכל באש תשרף. Tout korban chatat duquel tu apporteras de son sang dans le ohel moed, dans le sanctuaire, lechaper bakodesh, afin d'expier donc les fautes dans le kodesh, dans le echal, lo teachel, ce korban chatat ne pourra plus être consommé, baesh tisaref, il devra être brûlé dans le feu. C'est-à-dire un korban chatat. En théorie, une fois qu'on a aspergé le sang qui est sur le Mizbeach HaChitzon, alors elle est consommée par les Kohanim. On sort quelques graisses qu'on fait monter sur le Mizbeach, tandis que le reste de l'animal, il est consommé par les Kohanim. Là, le pasouk m'enseigne que si tu as pris de ce sang et tu l'as fait entrer dans le Echal, eh bien, à présent, tu as invalidé, tu as rendu le korban impropre à la consommation. Le propriétaire s'est acquitté, si je ne me trompe pas, c'est explicite dans le Mishnah plus haut, le propriétaire s'est acquitté d'apporter de son mitzvah d'apporter un korban khatat. Mais, malgré tout, ce korban khatat ne pourra plus être consommé par les kohanim. Il a été rendu impropre à la consommation, étant donné que le sang est entré dans le echal. Deux précisions. On met le zoom sur deux mots du pasouk. Ça va être le sujet de deux discussions, en fait, et de deux sujets de la Mishnah. Des deux premiers sujets. Kol khatat hashariyuva midama. Tout khatat duquel sera porté de son sang. Le pasouk aurait dû dire « Asher yuva dama » que son sang est entré dans le Echal. Le pasouk il a dit « de son sang est entré dans le Echal ». De là, Chachamim vont déduire, donc, même si un petit peu du sang entre dans le Echal, il sera désormais, tout le korban khatat sera impropre à la consommation. C'est-à-dire, imaginez que on a qu'à directement dire le cas de la Mishnah, vous allez comprendre de quoi on parle plus clairement. Du Chachamim vont déduire que si toutefois, quand tu as égorgé le korban khatat, tu as réceptionné le sang dans deux misrak. D'accord? En théorie, il n'y a aucun problème. Tu l'as réceptionné dans deux misrak. Un, tu vas asperger sur les quatre coins du sang. Et après, tous les restes du sang que tu vas réceptionner, même dans les 3, 4, 5 verres même, eh ben, tu devras tous aller les verser sur le yesod amisbeach. Ça, c'est en théorie. Imagine maintenant que j'ai réceptionné le sang dans deux verres, et que j'ai pris un des deux verres, que j'ai fait entrer dans le echal. Donc, je n'avais pas le droit de faire entrer ce sang dans le Echal, je l'ai fait entrer, je l'ai invalidé. Qu'est-ce que j'ai invalidé? Chachamim vont nous dire, puisque le passage qui te dit, Asher Yuva Midama, même un petit peu de son sang est entré dans le Echal, dans le Ohel Moed, sache que désormais tout le Korban est Chayav d'être brûlé, il ne pourra plus être consommé, donc tu as invalidé tout le Korban. Ce sera l'avis de Chachamim. On apprendra que Rabbi Yossi Aglili va déduire par a fortiori que non, ce ne sera pas le cas, on va expliquer ensuite. Deuxième sujet qu'il va y avoir dans la Mishnah, ça va être comme ça. Le pasouk nous dit, Vikol Khatat Asher Yuva Midama, tout Khatat duquel son sang sera porté dans le Ohel Moed, l'Echaper Bakodesh, pour expier donc la faute dans le Kodesh. Le mot l'Echaper, ça veut dire expier une faute, mais ça veut dire aussi asperger.
La question maintenant va être de savoir à partir de quand on considère que je suis entré dans le Hiral avec le sang du Khatat, que je suis entré de manière interdite pour invalider le Korban. Est-ce qu'il faut, ça suffit d'entrer dans le Hiral, ou il faut nécessairement asperger le sang sur quelque chose ou non? Il y aura trois avis dans la Mishnah et on commence tout de suite, Bezrat Hashem, la Mishnah. Notre Mishnah, elle va d'abord commencer, je vous explique maintenant la structure de la première partie de la Mishnah. Comme je vous ai dit, le premier sujet qu'on va découvrir dans la Mishnah va être si j'ai réceptionné le sang dans deux verres et qu'il y en a eu un des verres qui est entré dans le Hiral, est-ce que le deuxième il est devenu invalide? Pour pouvoir déduire cette halakha, pour Rabbi Yossi Aglieli, il va faire un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Donc comparer deux domaines et déduire si je t'ai dit une chose là-bas, donc c'est sûr que ce sera la même chose ici. D'accord? Pas a fortiori, on expliquera ensuite. Mais ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir comprendre cette halakha qu'il va faire, Rabbi Yossi Aglieli va nous dire qu'est-ce qui se passe d'abord. Il va nous parler d'abord de faire sortir du sang à l'extérieur du Hiral. Il faut savoir, lorsque je fais un korban, j'égorge, je réceptionne le sang. Si je sors avec le sang maintenant, si le Kohen va sortir avec ce sang à l'extérieur du Bet HaMikdash, il va invalider le korban. Il va invalider plutôt le sang. Ce sang-là, il est devenu invalide. Il est Nifsal Beyotse, ça s'appelle. Il est devenu Pasoul avec le, parce qu'il est Yatsa, parce qu'il est sorti. D'accord? Pour le moment, le principe est clair. Ce qu'il va faire Rabbi Yossi Aglieli, c'est qu'il va maintenant comparer. D'abord, on va commencer à traduire, et dès qu'on va arriver à Rabbi Yossi Aglieli, je vais d'abord vous dire. Khatat Shikibel Dama Bishne Kosot. Un korban khatat, duquel qu'on a reçu le sang en deux verres. Yatsa Echad Mem Lachutz. S'il y a eu un des deux verres qui est sorti en dehors du Bet HaMikdash, Apnimi Kacher. Celui qui est resté à l'intérieur, il sera encore Kacher. Tu pourras continuer à valider ton korban khatat et asperger du sang qui est resté à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Tu as eu, certes, le sang qui est sorti dehors, il est devenu invalide, mais le sang qui reste à l'intérieur, il est encore kasher. Le korban khatat, tu pourras le faire. Alors maintenant, suite à ça, ça va nous faire aboutir à une nouvelle discussion. Nichnas echad mem lifnim. Si quand tu as reçu le korban, tu as dégorgé le korban, le sacrifice, et tu as réceptionné le sang en deux ustensiles, deux verres, il y en a eu un des deux qui est entré dans le echal. Nichnas echad mem lifnim. Un des deux qui est entré à l'intérieur. À l'intérieur, ça veut dire dans le echal. Rabbi Yossi Aglieli marchir bachitzon. Rabbi Yossi Aglieli va nous dire, mais écoute, il n'y a aucun problème, tu pourras quand même continuer à faire le korban khatat avec le sang qui restait à l'intérieur du Echal. Vachachamim poslim et chachamim vont rendre invalide. Pourquoi chachamim vont invalider? Comme ce qu'on a expliqué du pasouk. Même un petit peu du sang qui entre à l'intérieur du Echal, ça invalide tout. Tandis que Rabbi Yossi Aglieli va nous faire un raisonnement par a fortiori. Je vous rapporte la notion. Ce qu'il va faire Rabbi Yossi Aglieli, c'est qu'il va me dire, regarde, deux situations. Tu as deux verres. Un des deux verres qui sort, tu me dis que tu peux asperger le sang de celui qui est resté à l'intérieur, tu peux l'asperger et tu rendras valide le korban. Eh bien, lorsque tu vas avoir deux verres, et qu'avec un des deux verres tu vas le faire entrer dans le Echal, tu vas pouvoir asperger de ce sang qui reste à l'extérieur, et rendre valide ton korban. Je vais les déduire un de l'autre, pas raisonnement, pas a fortiori. Comment va-t-il faire le raisonnement, pas a fortiori? C'est très simple, il va comparer les deux situations. C'est-à-dire, lorsque je vais prendre le sang et l'amener là où il ne devait pas aller, qu'est-ce qui est plus grave? Le faire sortir ou le faire entrer dans le Hiral? Il va nous déduire, grâce au halakhot du Pigoul, que le faire sortir, c'est plus grave que de le faire entrer dans le Hiral. Pourquoi? Parce que Pigoul, dès que j'ai l'intention de consommer un morceau de korban à l'extérieur du Bet HaMikdash, je rends tout le korban Pigoul, vous vous rappelez, ouais? Dès que j'égorge le korban avec intention de manger un petit zaït, un petit morceau à l'extérieur du... Pigoul, c'est lorsque je dépasse les limites de temps, mais là, je dépasse les limites d'espace. De nouveau, ça revient en même. Je vais le rendre pas saoul. Donc, dès que j'ai l'intention de manger même un kazaït à l'extérieur du Bet HaMikdash, je rends tout le korban pas saoul. Donc, sortir dehors, c'est grave. Tandis que, si toutefois j'ai l'intention d'égorger le korban avec, mais je me dis, un petit kazaït, je vais le garder, je vais rentrer dans le Echal pour le manger. J'ai une folie, ça me prend. Je me suis dit, je vais partir devant la parenthèse et je vais me mettre à manger la viande. J'ai eu une intention, qu'est-ce que ça peut faire? D'accord? J'ai eu cette intention. Est-ce que j'ai invalidé le korban? Non. Donc, qu'est-ce qui est plus grave? Dehors ou dedans? Forcément, dehors, c'est plus grave. D'accord? Eh bien, si dehors, c'est plus grave, et malgré tout, lorsqu'il y a un verre de sang qui est sorti dehors, ça n'a pas invalidé l'autre verre de sang qui est resté à l'intérieur de la Hazara. Alors,
quand tu vas avoir tes deux verres devant toi et que tu vas faire entrer un sang dans le Echal, certes, lui, il est devenu pas saoul, mais celui qui reste devant toi, il est encore valide, il est encore kasher, par raisonnement, par fortiori. Vous avez compris? C'est très logique. D'accord? On va faire ça dans les mots tout de suite. Ça va être la logique de Rabbi aussi. Et Rabbi vont dire non, malgré tout, il y a marqué Midama, un petit peu de sursens, ça invalide tout le Kramban. Donc, si un pasouk, on ne fait pas de raisonnement par fortiori. Regarde, on fait ça dans les mots. Amar Rabbi aussi Agilili. Rabbi aussi Agilili l'a dit. Ma im bimkom shamar shava poselet bachutz. Regarde. Ouais. Regarde que dans le cas où la marchava, elle est poselet. Ouais, n'est-il pas vrai que dans le cas où la marchava, l'intention, la mauvaise intention, elle est possélète, elle va invalider le corban lorsque tu as une intention de le faire dehors, et malgré tout, l'oasa et ameshoar kayotse, et malgré tout, lorsque tu as sorti un verre, tu ne fais pas ameshoar machenish ar kayotse, tu ne vas pas invalider le sang qui reste en disant que lui aussi, il est devenu pas saoul parce qu'il y a une partie de l'autre sang qui est sortie dehors. Ça veut dire, là où c'est très grave, sortir dehors, c'est très grave, puisque la marcha va, la mauvaise intention va invalider le korban. Et malgré tout, tu vas dire que le korban, il est quand même kasher s'il reste du sang que tu vas pouvoir asperger à l'intérieur. Dans ce cas-là, makom she'en la marcha va posséder bifnim. Dans ce cas-là, le lieu où l'intention ne rend pas pasoul à l'intérieur du echal, c'est-à-dire si tu as l'intention de manger un morceau de kazaït à l'intérieur du echal, tu ne vas pas rendre pasoul le korban à cause de pasoul, de pigoul, pasoul. Alors dans ce cas-là, enodin shelona aset ameshoar kenirnas, n'est-ce pas à plus forte raison que tu ne vas pas faire, tu ne vas pas considérer le sang qui va rester comme si qu'il était lui-même entré. D'accord? C'est la logique comme ce qu'on a expliqué. On continue la Mishnah avec à présent le deuxième sujet. Nirnas lechaper, afapish, okiper, pasoul. S'il entre à l'intérieur du Echal avec intention d'asperger, mais que finalement, une fois qu'elle est à l'intérieur, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est un khatat chitson. Pourquoi je suis en train de rentrer? Et avant qu'il asperge, il a rebroussé chemin, il est ressorti dehors. Nirnas lechaper, donc il est entré pour asperger. Aval pichelo qui perd, même s'il n'a pas concrètement aspergé, pasoul, il a invalidé le korban parce que le sang, il est entré dans le echal. Divrei Rabbi Eliezer. Tel est l'avis de Rabbi Eliezer. Tandis que Rabbi Shimon Omer, ad sheikhaper. Rabbi Shimon va nous dire, non, le korban il est kasher, tant que tu n'as pas aspergé le sang à l'intérieur, le korban il est kasher. Quand la Torah était makpida de ne pas faire entrer le sang dans l'Echal, c'est uniquement si concrètement tu l'aspergé. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, imirnis shogeg kasher. Rabbi Yehuda lui vient avec quelque chose de tout nouveau, et la lachal sera établie comme Rabbi Yehuda. Il nous enseigne que sache que si tu es entré dans l'Echal, mais parce que tu t'es trompé, tu n'avais pas fait attention que tu es encore un khatat chitson. Tu t'es embrouillé. Tu étais shogeg par inadvertance. Même si tu asperges, tu ne vas pas invalider le korban. Tout l'interdit déduit ça du pasouk, apparemment. Que tout. J'ai pas vu que ça a été justifié. Pourquoi? Mais c'est pas grave. Apparemment, il déduit ça. Je comprends qu'il déduit ça du pasouk. Que c'est que lorsqu'il est entré pour pouvoir se faire expier sa faute. Il a eu une folie de vouloir faire la. Ouais. Rectifier la Torah. La Torah t'a dit, le khatat, tu le fais à l'extérieur. Lui, il a dit, non, moi, je vais faire une super tshuva. Je vais faire entrer mon sang pour l'asperger à l'intérieur. Alors là, il a consciemment faussé la halakha de la Torah. Là, il rendra invalide le korban khatat. Tandis que si c'est juste trompé, lorsqu'il est entré, il était shogeg par inadvertance. Dans ce cas-là, le korban, il est encore kasher, même s'il a aspergé. Ok? Ensuite, troisième partie de la Mishnah. Un petit complément quand même. Vous voyez qu'il y a un nom Barthénora dans le Calva Romer de Rabbi aussi. Il nous apprend juste une lacha. Je vous dis juste le principe. Tout ce qu'on a dit que lorsqu'on fait entrer du sang dans le Echal, que ça invalide tout le Korban Khatat, ce n'est dit que sur le sang, mais pas sur la chair. C'est-à-dire, si toutefois j'avais un Korban Khatat, une fois que j'ai fini de l'asperger, le sang comme il faut, je l'ai fait comme il se doit, j'ai de la viande qui est apte à être mangée par les Kohanim. Je vais prendre maintenant ce korban, cette viande, et je vais la faire rentrer dans le Echal, et bien elle n'est pas devenue invalide. Ça c'est original. En tout cas, je peux ressortir du Echal et même la manger, elle n'a pas été invalidée. Alors que si j'étais sorti en dehors de la Hazara, du Beth Amikdash, alors là je l'aurais oui invalidé. Ok? C'est juste pour compléter la chote qui est explicitée dans le Barthénora. Ensuite, dernière partie de la Mishnah. On passe à un tout autre sujet, je ne sais même pas quel rapport avec la Mishnah, je vous l'avais dit. Mais
sais pas quel rapport, qu'est-ce que ça fait là, quoi, comment ça s'enchaîne, mais en tout cas. Kol adamim absolim shenitnu al gabei amizbeach lo yirza atzitz ela al atame. Tous les sangs qui étaient pasoul, qui ont été versés sur le misbeach, lo yirza atzitz, le tzitz, le fronteau du Kohen Gadol, n'a pas validé a posteriori ses erreurs, ela al atame, sauf sur ce qui était impur. Je vais expliquer bien sûr, mais d'abord on finit la Mishnah. Shatitz meratze al atame, car le tzitz va contrebalancer, va remonter, va être mératé, c'est-à-dire qu'il va faire, il va agréer finalement, faire agréer le korban qui a été fait avec impureté, venom mératse à la yotse, mais il ne va pas valider le korban qui a été fait alors qu'il a été sorti dehors. Je m'explique tout de suite, c'est très simple. Vous savez que les habits du Kohen Gadol expiaient sur certaines fautes, d'accord? Il avait 8 habits, Mishnasaim, Ktonet, Ephod, Prochaine Mishpat, le Meil, le Tzitz, la Mitznefet, le chapeau qu'il avait, il y avait comme ça 8 habits. Chacun vient expier une faute particulière, la Vodazara, Giloui Arayot, Shfichut Damim, la Gaava, l'effronterie, toutes sortes de les mauvaises pensées. Le Avnet, il avait, le Avnet, la grande ceinture, la ceinture de 32 amas, 16 mètres, il entourait autour de lui. Ça, c'était pour les habits du Kohen Gadol. Chacun expiait une faute. Le tzitz, il avait la singularité de, à part d'expier sur l'effronterie, il avait concrètement aussi une halakha qu'il faisait agréer tout korban qui a été apporté alors qu'il était impur et qu'on ne le savait pas. Je m'explique. Imaginez que j'ai apporté un korban khatat pour me faire expier une faute. On n'a pas fait attention qu'il y avait un morceau de chéretz mort, un reptile mort, qui était accroché à la queue du mouton. On n'a pas fait attention. Et on a égorgé le mouton, on a réceptionné le sang, on est parti en asperger, et puis ensuite on réalise qu'il y avait ce reptile mort qui était attaché sur le mouton, donc il a impurifié tout le corban. Eh bien il faut savoir, puisqu'on ne savait pas que ce corban était devenu impur au moment où on l'a apporté, a posteriori le corban est cachère. Car le tzitz a le fronteau du Kohen Gadol, il a la particularité de faire valider tous les corbanotes qui ont été mal, qui ont été apportés alors qu'il avait une impureté dessus. D'accord? C'est la singularité du tzitz. La Mishnah vient m'enseigner. Sache que le tzitz le fait le ritsouille, il ne valide malgré tout a posteriori que les problèmes d'impureté, mais pas tous les autres problèmes. Si toutefois ton sang il est devenu impur pour x ou y raison, parce que par exemple tu l'as fait rentrer dans le Echal, parce que tu l'as égorgé chez le Lishmo et que c'était un korban khatat ou un sham, ou peu importe, toutes sortes de khatat ou un pessar, toutes sortes de choses qui invalident le sang, malgré tout, sache qu'a posteriori, même a posteriori, ce ne sera pas, ton korban ne sera pas kasher, tu devras apporter un autre, à une seule exception, les impuretés. C'est déduit ça de Psukim, regardez dans le Barthénois si vous voulez. Venasa Aaron et Avon à Kodashim, c'est un passage qui se trouve cette fois-ci dans Shemot Kafret. Je suppose qu'on est dans Parashat Tetzavé où on parle des amis du Kohen Gadol. Ouais. Et là-bas, il y a marqué que Aaron portera les fautes des bénis Israël, des Kodashim, et Avon à Kodashim, les fautes des Kodashim. Et là-bas, on apprend par juxtaposition avec Emor qu'on fait en fait allusion au problème d'impureté dans les Kodashim, d'impureté dans les Korbanot. Ça, le titre, il est Meratze. Mais, tandis que les autres problèmes qui pourraient surgir dans le sang, alors le tzitz n'expiera pas a posteriori, ne permettra pas l'expiation. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.